Nous retournons après pause là. Merci à vous-même qui toujours été fidèle et qui apprend le temps et le soin pour partager l'émission ça et abonner avec Chanel là, TAC 509, tout haïtien connecté. Même je ne saute dit dans l'introduction, nous va parler de droits de l'homme et situation droits de l'homme dans le pays d'Haïti. Nous avons avec nous Maître Jean Fanocaz, que nous avons dit bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir Alcide. Bonjour responsable TAC 509 qui te prend le soin pour que nous te joignes une invitation pour nous participer à l'émission ça. C'est un plaisir pour que nous fassions un petit parler sur la situation de l'homme dans le pays d'Haïti. Si vous nous parlez de l'autre et point à débattre, mais nous rentrons tout dans la situation de l'homme en Haïti. Non, pas M. Jean-Fano Caz, même Jean confrère la deal. Moi, c'est porte-parole de l'Organisation de défense et de promotion des droits humains, justice et solidarité. Moi, c'est informaticien et moi, c'est juriste. Et c'est un plaisir pour que moi, avec nous, pour nous faire parler de droits humains dans le pays d'Haïti et à l'extérieur. Maître, nous disons merci. Merci parce que vous choisissez de répondre positivement avec l'invitation. Et c'est certain, nous allons passer un petit temps qui est très agréable. Et c'est là qu'il a regardé l'émission. Il va joindre en pile connaissance. Et nous, pas un mot encore pour nous remercier. C'est vrai, c'est un devoir pour que nous apprenions, bien pour que nous éduquions, bien pour que nous participions dans l'éducation de la société haïtienne. Bon, c'est un devoir pour que nous soyons là, ensemble avec vous, matin, ou bien jeudi. Maître, dois-tu et son invité, c'est une émission qui là, qui vous permet, internautes, nous, faire différence entre ça y a vivre dans la société hein, et ça la loi lui-même lui dit. Et nous allons tomber directement dans le sujet jeudi, hein, qui c'est droit de l'homme. Une bonne possibilité à venir, maître. Oui, droit de l'homme, c'est pas jeudi en attendant. Ok. C'est un bagage en attendant depuis des années et qui existait même depuis dans l'Antiquité. Et c'est il y a une certaine évolution et tant à l'extérieur et en Haïti et il te prend naissance et bien dans un pays qui est le Babylone. Et je dis à nous considérer comme Irak, c'est Babylone côté t'as eu beaucoup de problèmes et société a fait face et pour gagner une autorité qui est le Cyrus qui pour élaborer et bien cylindre de Cyrus et avec ça on parle ouais droit de l'homme non il parle comment c'est prendre ça c'est dans l'Antiquité OK il parle prendre naissance et dans même pays Babylone ça on parle gagner l'autre texte qui pourra le voter visant à bannir toute violation des droits de l'homme. Voilà le code d'Amourabi et tout ça t'est porté yon point mais yon à jour dans le pays ça côté on connaît de l'Antiquité la question de religion était très posée et bien tout texte ça qui pourra le voter là et bien yon parle porter des corrections et bien visant à protéger les droits de l'homme. Et droits de l'homme non après en Afrique il était grand leur arrivé et il était arrivé avec l'achat de Mandela et que là voilà presque non avec la présence mais après l'élaboration et si l'un de Cyrus là voilà presque tout continent yo pral gagner des évolutions qu'a fait là-dedans yo et que jusqu'à ce que après de nos jours on a parlé de droits de l'homme mais tout on a parlé de droits de l'homme mais qui genre qui ça lié en soi on est capable dire droits de l'homme non et si on sait de droits que moi-même ou même moun en général gagne et que l'État doit mettre des mécanismes en place pour que les droits soient respectés. Et dans la recherche que je fais, je même dit que les droits sont antérieurs par rapport avec l'État.
C'est-à-dire, c'est pas faveur l'État t'a fait nous pour que nous gagnions des textes. Eh bien, qui protège nous depuis que nous faisons pour ça ce que nous mourons. Non, c'est pas en faveur. Mais ce sont des l'État gagne des obligations pour que droit ça yo inséré soit dans des textes ou bien etc. dans des codes, mais dans les constitutions et visant à protéger nous-mêmes en tant que et pour le droit de l'homme là. On t'histoire brièvement après lui il te prend naissance dans l'antiquité parle de la modernité eh bien il pral prendre naissance il pral évoluer par exemple là si nous t'apprend la Magna Carta ou communément appelée la Grande Charte on parle là dans la modernité eh bien on parle droit de l'homme là qui évolue sur la prend et dans les recherches qui fait il dit que la Magna Carta l'a influencé presque tout pays cap élaboré sous question de droit de l'homme et yo considéré dans le temps moderne la Magna Carta bien comme un élément essentiel et bien comme un texte essentiel depuis on parler de question de droit de l'homme et bien pas capacité la Magna Carta et bien dans la modernité qui était joué un rôle important et bien dans l'évolution des droits de l'homme dans le monde. OK. Kounya, est-ce qu'on peut parler de institution internationale qui impliquée dans ça qui relève les droits de l'homme? Oui, sur le plan international, il y a un paquet d'institutions. On parle de toute institution qui créée au niveau international. On parle là on parle descendre très bas, on parle on a pour mission pour protéger nous en tant que monde. Si on t'apprend la CIDH Commission interaméricaine des droits de l'homme et on parle gain là parle il gain pour mission pour nous-mêmes pour protéger droits de l'homme dans le monde. Mm-hmm. Ça me dit là et on parle gain paquet l'autre texte de loi qui voté tant en Amérique, en Europe, en Asie etc. parle même texte ça yo et bien on pas gain l'autre mission que protéger monde. Si nous t'apprenons au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, parle là dans le monde Nations Unies ligue une mission qui noble côté lui-même la lutter pour que les protéger et promouvoir eh bien droits de l'homme dans le monde. Sous quoi prend la TPI? Tribunal pénal international. Après, si on prend l'entraînement spécificité, nous prenons toute institution ça yo, yo gen pour mission pour protéger moun. C'est vrai, yo pas clairement stipulé de la TPI que pour défendre moun, pour défendre droit de l'homme. Nous parle de la pratique, les parle de crime contre l'humanité, crime de génocide, crime de guerre. Nous parle tout. Eh bien, toute spécificité ça yo, yo gen pour mission pour protéger droit moun dans le monde. OK. En fait, intervention aurait été au niveau international. Mm-hmm. Nous avons vécu en Haïti. Qui gens droit de l'homme, il fait prendre naissance en Haïti, qui est-ce qui vient avec elle, tout ça. OK. Et pas oublier dans l'Antiquité nous t'ai une société qui était sous l'empire colonial. Mm-hmm. Lorsque vous avez fini, prenez une série de personnes en Afrique, puis vous venez avec vous en Haïti, vous n'avez pas de droit, vraiment. Et vous parlez, si vous prenez le Code noir, l'article 4, qui est considéré esclave là, comme un bien meuble. Vous parlez là, si vous comparez avec le droit de l'homme, pas de rien à pour avec le droit de l'homme. C'est violation systématique. Eh bien, puisque avec la révolution haïtienne, mais des esclaves, eh bien, la métropole, bien, tout pays qui était sous territoire là, eh bien, qui était des personnes en esclavage, ils sont obligés de prendre des décisions visant à libérer ces hommes-là. Si nous apprenons Santonax, qui était un envoyé spécial en Haïti, à Saint-Domingue, Paul Virel, tout le monde sa yo, bien, lorsque yo révolte là,
li dur en pile et moun yo vle effectivement gagner liberté yo et mieux pral wè moun sa yo pral obligé et bien prendre des décisions bien sortir des conventions pour que yo di et bien nous ba nous déclarer que pas gen esclavage à Saint-Domingue. On parle de l'Haïti. Les premières pierres des droits de l'homme, eh bien, commencer à poser avec décision métropole prend pour que l'y éradiquer, pour que l'y finir avec la question d'esclavage en Haïti. Et tout de suite après, si nous apprenons toute constitution que Haïti connaît depuis 1801 jusqu'à nos jours, on parle de droits de l'homme. Et bien, on parle de texte, eh bien, qui était élaboré dans le monde, eh bien, on parle de reprendre, eh bien, en dans la Constitution pour que vous protégez les droits de l'homme. Même et lorsque vous parlez de Déclaration universelle des droits de l'homme, eh bien, on parle considérer puis ça yo comme des éléments eh bien qui textuellement on prend yo insérer dans la constitution avec tout cette ouverture de 1801 jusqu'à nos jours et puis voilà tout texte ça yo pas jamais eh bien supprimé dans la constitution. C'est vrai qu'on doit changer l'article, mais on toujours clairement stipulé des droits que nous relais des droits fondamentaux. Mais on parle de là étant eh bien droit de l'homme là, il commençait par naissance en Haïti et jusqu'à nos jours, on n'a pas de droit de l'homme en Haïti. OK. En fait, si nous parlons de entrée droit de l'homme en Haïti et historicité le qu'on fait pour nous-mêmes, on y a pour droit de l'homme lui-même li établi et li aller tout dans tout département ou du moins tout pour droit de l'homme lui-même li opérationnel, fallait que gagne des institutions là qui là pour promouvoir et faire mon yo connaître qui ça qui doit de l'homme. Justement. Est-ce que ou ka font passer sous différentes institutions nationales que nous gagnons en d'un pays qui pour promouvoir la question de droit de l'homme? Oui, en fait c'est institution yo pense me capable à deux niveaux. OK. Le grand niveau étatique et le grand niveau civil. OK. Si n'a point au niveau étatique, n'a prend OPC. Et jusqu'à présent, nous connaissons que OPC, c'est seule institution qui l'a pour, institution étatique, bien entendu, mais qui l'a pour faire des promotions et lutter à ce que les protéger doivent monde. Ça, c'est au niveau étatique. C'est OPC et Office Protection du Citoyen. Jusqu'à présent, c'est lui-même. C'est lui-même nous reconnaître eh bien en Haïti au niveau étatique cap gouvernement pour respect droits humains. C'est n'a pas au niveau civil. Nous voyons les organismes des droits humains qui fait des promotions, qui promouvoir et qui veiller au respect des droits humains. Eh bien en Haïti, c'est comme ça eh bien sur le plan national. Après c'est vrai, après OPC li de la capitale, li à Port-au-Prince, mais ou a toujours joint que li gagne des institutions, même des institutions, des bureaux déconcentrés, OK, dans les régions différentes, eh bien pour capable si on monde veut victime ou mais si on monde doit les sentir doit le violer, il doit pas besoin quitter Jérémy, quitter Okaï, quitter Port-de-Paix, quitter au Cap bien pour rentrer à Port-au-Prince, mais le cas un bureau qui déconcentré et bien pour qu'il capable et bien expliquer bien porter plainte bien parler avec institution étatique ça qui l'a prouvé au respect des droits de l'homme en Haïti. OK. Si bien OPC qui l'a pour faire pour promotion pour droits de l'homme, qui institution même qui l'a qui pour faire droits de l'homme même respecter. Je pense pas bien l'État. L'État à ce niveau-là il gagne en pile responsabilité. OK. Et si ça fait ou après dès le début moi te dis ou l'État eh bien doit mettre en place des mécanismes pour que droit ça yo
qui stipule dans des conventions, nous connaissons clairement, depuis que l'État li vote ou bien li participe, li ratifie yon convention, eh bien, depuis li ratifie, li publie, etc., convention ça li rentre dans la législation de ce pays. Eh bien, l'État qui reprend des textes, eh bien, inséré dans la Constitution, li gagne pour obligation pour que li mette des mécanismes en place pour que droit ça au respecté. Si nous parlons de la Constitution de 1987 amendée le 9 mai 2011, nous capable prendre commencer de article 19 pour venir jusqu'à article 51 et bien on parle là dans niveau ça droit ça on a parlé qui est considéré comme des droits inhérents, inaliénables, imprescriptibles, eh bien, droits ça y est inséré, bel et bien inséré dans la Constitution de 1987, amendée le 9 mai 2011. Ok. En fait, droit de l'homme en Haïti, qu'en est-il dans le moment que nous avons parlé à la situation droit de l'homme, ou dire santé droit de l'homme dans le pays? Ok. Sans nous pas besoin de passer par quatre chemins, c'est vrai, nous parlons des explications, nous parlons des arguments que nous parlons, mais nous avons dit avec beaucoup d'honnêteté, avec beaucoup de clairvoyance, avec beaucoup d'observation, nous avons dit la situation des droits humains en Haïti est très précaire, est très critique, est très alarmante et est très lamentable. Et si on fait un petit coup d'œil, on fait une petite observation, on voit clairement que question droits de l'homme non, nous presque pas qu'à parler en Haïti parce que l'est vraiment pas respecté. Eh bien, l'État lui-même n'est pas mettez des mises en place, il pas faire des maintenances pour que droit ça nous-mêmes n'a pas les respecter. OK. Est-ce que pas gain j'aime qu'a dit ça? Est-ce que tu as parlé de institution qui là qui vous fait promotion et veiller à ce que droit de l'homme, droits humains lui-même les respecter. Tu connais au dit que évolution donc a dit ou ben on note qui négative. Est-ce que institution ça eux-mêmes il y a pas de responsabilité yo non histoire non point négatif que ou sur le bail de situation droit de l'homme en Haïti. Ok, en fait sinon après pour les organismes des droits humains eh bien souvent de la société civile nous qu'a dit sinon qu'a fonti parler même à 40-50% du droit de l'homme en Haïti. C'est parce que organisation droit moun sa yo la. Si ou ta retiré organisation droit moun sa yo, et bien on parle wè c'est le chaos. OK. Parle wè l'état lui-même pas prendre responsabilité même parce que pas gen moun k'ap critiquer, parce que pas gen moun k'ap dénoncer, parce que pas gen moun k'ap apprendre. Et bien les citoyens haïtiens que yo gen des droits qui revient avec vous. Okay. Eh bien, si gagne, eh bien, toute violation sera qu'a fait, quelque part gagne une responsabilité. Okay. Quelque part gagne une responsabilité. Parce que ça plus difficile, mais qui plus critique, c'est parce que j'aime nous nommer parfois, c'est doit c'est courant politique qui nous met, eh bien, qui doit arriver dans un poste. Jean pour ta fait travail là et bien ou pas qu'a faire comme ça il obligé faire et bien dans même ligne que chef qui mettait yo a il obligé faire dans même ligne ça oui parce qu'on parle au PC gain responsabilité pas et si les personnes trouvent en détention préventive prolongée qui est déjà une violation flagrante des droits humains et bien quelque part, l'OPC, Office Protection du Citoyen,
il y a une responsabilité. Est-ce que OPC mettait des maintenances, mettait des mises en place pour que au moins chaque mois les visiter prison? Est-ce que les gagne des agents de terrain qui a visité l'hôpital, qui a visité l'école? Eh bien, si OPC lui-même n'a pas fait travail ça bien, oui, il y a une responsabilité. Parce que comment faut comprendre? Il y a un monde qui a 13 ans au niveau prison, eh bien, il va jamais passer devant un juge naturel. Si on comprend, eh bien, il a arrêté mon nom, eh bien, il a battu. Et nous connaissons, il y a un principe qui dit que le corps de l'homme est sacré. Le corps est sacré, il est exempt de toute forme de torture. Comment comprendre? L'État qui l'a pour faire respecter le droit, ça y est, l'État. T'as appréhendé un monde, eh bien c'est même monde ça yo, même l'État ça, eh bien qu'a maltraité monde, qu'a frappé, qu'a violé les droits. Ok. Mais où sont dit l'État là pour faire ensemble de droits ça respecter? Mm-hmm. Qui ensemble de droits lui? Oh, grand paquet. Et la liberté d'expression c'est un droit que nous gagnons. Gagne la liberté individuelle c'est un droit nous gagnons. Droit au logement. Droit au travail, tout ça, ce sont des droits qui reviennent avec nous tant que nous. Et l'État lui-même, même toujours à réfléchir, pour me dire, les gens qui sont victimes, les gens qui sont à l'hôpital qui va jouer une santé, les gens qui passent 13 ans en prison, après 13 ans, l'elle parle devant juge, et bien, on dit non coupable. Qui ça, moun ça, au fait? Eh bien, fuck! La justice, à ce niveau, eh bien, il prend responsabilité. Parce que, et moun ça, qui est victime, eh bien, je vous encourage de porter plainte contre l'État. M'a qu'à l'hôpital, mais peut-être m'a qu'à toile gaz, eh bien, malade moi en mourir. Ça, c'est la violation flagrante des droits humains. On pas qu'en prison, eh bien, après la prison, il y a des conventions qui votent pour lui, il y a des textes de loi qui élaborés pour lui. La condition trouvant des personnes au niveau prison civile de Port-au-Prince, il va devoir vivre dans condition ça, non? Ils font une émission sur question prison. Mm-hmm. Et on est tombé en pénitentiaire et Maître Angelo qui était intervenant de ça, lui a décrit nous situation qui en la prison, c'était chaotique, hein? Mm-hmm. Et lui même fait nous en confidence, gen chien dedans qui le grimel, mm-hmm. Gen manger qui a bay prisonnier, le mettait devant grimel pas grimel tu peux manger al vrai de là. Il va manger, c'est-à-dire ouais, même mm-hmm. chien. Mm-hmm. Même à l'étranger frère. Mm-hmm. Même à l'étranger, bête là ou bien animaux, il y a une façon pour le traiter. Et si vous ne traitez pas la façon pour le traiter, vous pouvez capoter plein de contre. Je n'ai pas besoin de dire pour que les gens, eh bien, ils ont traité avec des conditions infrahumaines. Non, carré. C'est au moins deux moun, oui. T'as supposé non carré dans prison. Et pendant, ouais, dans les pays développés, mm-hmm. dans les pays développés, yon moun ka nan prison là, l'école. Et là, m'a posé tête mon question, lè a parlé de réinsération, qui importance li en Haïti. Mm-hmm. Yon moun là nan prison, eh bien, li gen doit faire une fois action là, après 5-10 ans, li refait même action. Mais qui importance réinsération? Est-ce que pendant la sortie, accompagné. Il sorti un autre monde. Est-ce que pendant l'in en prison, c'est pas pire, il vient tourner? Est-ce que moun qui condamné yo, yo pas différencié avec moun qui beaucoup condamné yo? Et bien moi-même, lorsque m'a réfléchi en tant que militant des droits humains sur la prison, mais sur les centres carcéraux en Haïti,
et li ba anpil tristesse. Et après gen moun nan nan prison ki fè tuberculose, gen moun nan pa ka bien, pa ka manje. Et mais ou après l'op li yon m'tap li yon texte ki se rieb, c'est ensemble son texte qui régit question prison en Haïti. Même que moun nan li nan prison, li gen droit pour l'informer. Il ka gen radio là et cetera, la fête la tande, la informer de ça qui a passé soit dans le monde ou bien dans le pays. Mais si nous regardons, on paquet de bagages différents en fait. Moun nan prison, moi m'a dit parent moun sa yo ka l'hôpital qui pas joine soin. Parent moun sa yo qui au niveau prison, eh bien cap évolue dans des conditions infrahumaines lamentables. Parent moun sa yo ka l'école, eh bien qui pas ka joine professeur, eh bien qui ça fait? Parce que pas oublier, nous connaît tout moun qui victime, yo de saisir yon autorité compétente pour que yo porte plainte parce que yo victime. Moun sa yo si que yo pa pote plainte contre l'état, c'est parce que yo complice. Il y a un principe en droit qui dit que qui ne dit mot consent. Mm-hmm. Si ou pa di anyen haïtien ou bien le peuple haïtien, c'est que ou d'accord avec conditions infrahumaines n'a vivre et pas seulement moun nan prison ka vivre dans des conditions infrahumaines non. Les haïtiens de façon générale, ou pa ka sortir, ou pa ka exprimer librement, ou pa ka aller côté ou vle. Ou pas, ou à l'école, yon éducation à double vitesse. Ou à l'hôpital, ou pas qu'à joindre soin. Eh bien, là, il y a la violation systématique, eh bien, des droits humains en Haïti. Droits humains en Haïti, li catastrophique, et nous encourager pour que l'institution qui est là, pour veiller, pour faire des promotions pour les droits humains en Haïti, nous encourager pour que vous preniez responsabilité. OPC, il y a un citoyen et bien qui a 13 ans au niveau prison, il peut encore jamais qu'après devant juge pour le connaître s'il coupable ou s'il pas coupable. Cependant, il y a un petit monde qui était sous contrôle, il y a madame dans contre monde ça yo et mais qui la gagne dans la rue ça et Maril dans prison. Mais faut OPC lui-même, nous OPC lui-même lui poser des actions. Chaque mois au PC, ou qui travaille pas pour faire pour dans prison yo, parce que c'est organe étatique qui fait promotion, qui veille pour respect droit moun. Faut comme ou passer l'hôpital yo, ou encourager faire des sports passer dans radio moun qui victime yo, et bien vinn jwenn nous. Et pas seulement au niveau national, yo moun qui victime ka pote plainte. Li ka pote plainte au niveau international. À l'aide d'une pétition, nous avons saisi la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Eh bien, pour violation des droits humains. Nous parlons après enquête. Eh bien, qui va le faire sous dossier ou bien sous des cas de violation ça, ou saisi la Commission? Eh bien, la Commission elle-même va saisir la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Eh bien, faut que l'État lui-même il pousse pour qu'on prenne responsabilité. Pendant que nous avons regardé Haïti, n'a dit situation droits humains très critique en Haïti. C'est pas parce que Haïti d'air non. Haïti chargé texte de loi. Haïti participe dans presque toute convention oui. Voter, ratifier, publier. Voter, ratifier. Yo fait partie intégrante de la législation haïtienne pour que ça l'état lui juste prend plaisir à voter, ratifier etc. Et bien publier après ça. Application rien n'était. Ça c'est l'absurdité. Okay. Ça c'est un problème pour nous-mêmes en tant que haïtiens. Est-ce que c'est pas parce que nous nous rendons compte que porter plainte ça pas aboutir à rien puisque yo souvent entendez et nous toujours depuis les petits et jusqu'à présent malheureusement l'enquête se poursuit. Et c'est pas parce que ça qui fait mon yo peur à perdre du temps yo pour une question porter plainte. Non, m'pa dire ça. M'pa dire lorsque on porte plainte, c'est on perd du temps. Parce que ça une première condition pour saisir la Commission interaméricaine des droits de l'homme, c'est d'abord ou te saisir
une juridiction nationale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on finisse épuisé. Les voies de recours, qui est au niveau national, ou pas gagné qui fait, et bien on peut aller au niveau international. Et c'est une condition sine qua non pour que nous saisissions une juridiction internationale pour violation des droits humains. En conclusion, on peut jamais dire, lorsque un Haïtien, les victimes, les portent plainte contre l'État, on ne peut jamais dire si on perd du temps. Au contraire, on porte plainte. Les voies de recours, vous faites, vous épuisez les voies de recours, à rien pas dire. Vous saisissez une juridiction compétente. Eh bien, des années passées, pas jamais rien qui dit, et bien, on met quitté pour nous saisir la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour violation des droits humains. Et de là étant, je crois qu'il y a un citoyen très connu et bien, qui te porte plainte contre l'État. Qu'en est-il? Comment ça arrive jusqu'à présent? Et ont été dédommagé citoyen parce que ont été condamné l'État haïtien pour que les dédommagé citoyen. Et voilà, et là m'a dit c'est pour perdre de temps. Okay. Au contraire, il y a un monde qui victime si effectivement on sent victime ou gain pour obligation pour que vous portez plainte parce que vous victime. OK. Est-ce que ça dit nous qui importance droits humains ou du moins droit de l'homme en dans société qui démocratique. Oh, c'est un gros bagaille. Et m'ta pli yon livre et gen yon parti qui te retenu attention. Côté où tu as dit si nous ka parler de démocratie faut nous ka wè droit de l'homme. Si droit de l'homme yo pas respecté, eh bien, grand pile, ça c'est pour ce l'auteur là, ok? Si droit de l'homme n'est pas respecté, bien les droits fondamentaux ne se respectent pas, eh bien là, on a dans l'impossibilité pour que nous parlions de démocratie. Mais si nous regardons à travers le monde, si nous regardons textes ou bien clauses ou bien lois qui considérées comme des droits fondamentaux, mais qui dit ces droits de l'homme, on parle en absence de texte, on ne peut pas parler de démocratie. Si on prend par exemple la liberté d'expression, tous les citoyens haïtiens eh bien, ont le droit de s'exprimer librement. Librement. Eh bien, ça c'est un principe démocratique. Si dans un pays, la liberté d'expression, eh bien, ne se respecte pas, eh bien, se piétine. Là, à ce niveau, eh bien, il y a une faiblesse dans la démocratie. Parce que moi, j'ai le droit, depuis que je n'ai pas de diffamation à faire contre le monde, moi, j'ai le droit pour m'exprimer sur des faits qui passent au sein de la société. Eh bien, la démocratie, eh bien, les droits de l'homme, dans une société démocratique, il y a un paquet d'importants. C'est-à-dire, c'est cocotte à Figaro. Cocotte à Figaro. Si on pas gain ça, on pas gain droits fondamentaux, on pas parler de démocratie. De démocratie. OK. Où se dit nous tout à l'heure que situation droits humains en Haïti est chaotique. On nous suspende critiquer dit gain tel ou tel problème. On nous de préférence m'a noté pour que c'est dernière question que nous va poser pour nous pas clôturer. En nous de préférence bah des éléments de solution. Par exemple, nous qu'a dit au niveau de santé mais qui ça nous penser qui t'a fait. Okay. Au niveau de sécurité, mais qui ça nous penser qui t'a fait. Il y a une façon pour nous appeler monde qui au timon des affaires yo pour prendre responsabilité yo si au cas gien flagrance dans question droits humains dans un point comme ça. OK. Et c'est là où parle les organisations des droits humains ont un paquet d'importance dans la société parce que yo pas là seulement pour faire promotion, pour dénoncer, yo là tout pour faire des propositions à l'État. Okay. Et en tant que militant des droits humains, si on apprend au niveau de santé, qui ça nous a proposé à l'État? Okay. Nous sommes capables de connaître, eh bien, dans le pays d'Haïti,
gen moyen disponib, c'est-à-dire gen l'ajan, gen taks ki peye. Puisque pa genyen an pil l'hôpital publik, eh bien, ou bien l'hôpital publik yo gen dwa manke moyen, fòk l'État li menm li chèche pou ta siyen dezakor avèk l'hôpital privé yo. C'est dur, c'est difficile, ou bien c'est difficile d'entendre. Eh bien, yon moun ki rive nan l'hôpital privé, peut-être li pa gen 5000 goud, li perdu la vie. Si nan fon ti comparaison dans les pays développés, mais rive nan l'hôpital la ou pa gen yon goud, y a bo soin a sauvé vie ou. Après, vie ou fin sauvé, dan yon pral wè. Eh bien, l'hôpital a pas dit, ou bien pour payer ça. Mais on pas primé d'abord l'argent, mais on primé d'abord la vie, le respect, bien le respect de la santé, bien le respect de la vie. Nous proposons à l'État pour que lui cherche signe des accords avec l'hôpital privé, même le yon haïtien, ou bien un citoyen qui a un problème dans le pays. Ben li karante nan n'importe l'hôpital privé, et bien pour que li jwenn soin. Après ça, l'État li même qui gen qui recevoir qui percevoir taxe impôt ben nan pays a ben de citoyen ça la subventionne le pas avec niveau que le capable. Ben li doit et subvention ça li doit définir préalablement. Tout haïtien nous subventionnons de temps corps si ou gen problème ou besoin à l'hôpital ou ka aller dans n'importe l'hôpital privé n'importe l'hôpital et bien l'État ou gen ta connaît en tant que citoyen et bien au niveau de santé gen ça qui subventionné par l'État faut l'État chercher à quoi ça mais pour que il capable au moins protéger nous mêmes haïtiens mais s'il veut s'il gen volonté nous mêmes haïtiens et bien de droit de santé ça que n'a évoqué je dis qui ou bien qui fait partie des droits fondamentaux au niveau sécurité faut question misère là les filles yo moun ki nan misère qui pas ka manger c'est sûr si vous vienne faire des offres on garantit la monter à bord yo bal 10000 dollars américains yon zam li grand go qui sont passé la fin la monter à bord la prend 10000 dollars américains la prend zam nan parce que faut manger faut misère là li suspend nous connaît dans tout pays du monde gen sa créé un système de sécurité sociale c'est vrai gen doit pas travailler c'est vrai. Eh bien, ou pas gen kay pou ou pas gen manje, l'État, eh bien, par le biais du système de sécurité sociale, eh bien, li aide moun sa. Et pas gen bagay la en Haïti. Mais ça, mal organisé, gen FAES, gen Affaires Sociales, gen CAS, tout ça, qui pour qui est sur destiné, c'est pour les personnes les plus vulnérables, ouais, ça me donne, les plus démunis. Qui pas gen possibilité pour manger, qui pas gen possibilité pour aller à l'école, qui pas gen capacité, eh bien moun sa yo eh bien et PPLS tout, yo gen pour obligation, eh bien ça pour yo ajoine moun sa yo pour accompagner yo. Bien là sécurité a pour li insécurité a pour suspendre dans les quartiers populaires, faut que grand goût a li baisser. Faut grand goût a li baisser. Faut au moins les petits moun nan li même li pa l'école li konnen le ka manger. C'est vrai maman gen doit pa gen tan balil, mais les li vi l'école là. Li jwenn yon plat chaud et bien et l'el vini maman gen ti moyen la li dégager la travail etc. Et bien on parle ouais moun ça même leur parce que mal dit en dépit de tout société haïtienne nan nous même en tant que citoyen nous gen moralité. Gen bagay, gen des conditions depuis yo réuni. Gen moun ki gen on sait de bagay yo pa fait non. Ah oui. Pa fait non. Mais là ou coincé ou grand ou un paquet de bagay. Eh bien, moun sa yo ki gen zam nan men yo, ce sont des victimes de l'État.
parce que c'est l'État qui était là pour que lui créer des conditions pour que les gens soient capables de vivre bien, mais l'État n'a pas fait. Ce sont des victimes de l'État. Il faut que les gens soient baissés, il faut que les parents soient au travail, il faut que les gens soient une éducation qui est équitable. Bien qui ont éducation qui pas basée sur des discriminations, qui pas basée sur des préjugés. Comment comprendre? Eh bien, yon parti à travail, yon parti dans la rue. Qui j'en comprendre? Eh bien, yon parti beaucoup boucler à Néa, et bien tout l'autre parti boucler. Mais c'est là, eh bien, gagner yon éducation, eh bien, qui basée sur la discrimination, sur des préjugés. Eh bien, yon éducation à deux vitesses. M'ba même dit c'est pas gagner plus vitesse, mais m'dit de en attendant, mais qu'a gagner plus ou entrer dans les grandes lignes. Ou qu'a même moi gagner plus vitesse. Mais l'État, il doit prendre responsabilité là à ce niveau. Faut soit disant moun en l'air yo, moun en bas yo, y a l'école normale. Y a l'école aux jeunes, yo gagne même professeur. Yo qu'a gagner même professeur mais programme pas même. Ça qu'on fait, oui. Après, oui. Visitez vous après. Telle école, programme n'est pas même. Tel lycée, programme n'est pas même à telle école. Là, il faut constater l'irresponsabilité de l'État au niveau éducatif. Là, l'État, lui, il est absent. Il faut que l'État lui-même, tout le monde qui a l'école, il a une éducation qui est normale, qui même. Il faut que grand goût à l'IBC dans le quartier populaire. Là. Il faut que les gens, jeunes, qui fait 14 ans d'études, qui fait 4 ans d'université, et bien, j'ai une possibilité pour yo à travailler, j'ai un emploi, vous savez, pour des personnes compétentes, et bien, pour yo trouver yo à la place qu'il faut. C'est pas des personnes et bien qui finissent déjà, qui pas qu'à travailler, qui mettent toujours n'importe, mais non, et jeunes, faut qu'yo intégrer yo dans l'administration publique là. Faut concours fait normal, j'en peux ta supposé fait. Ou ça me dit là, elle dit là on parle de possibilité. Si l'État lui-même l'arrive à ce niveau, eh bien on parle la question de l'éloquence là, la question et insécurité là, la fonte baisser dans pays. En fait, maître, nous disons merci parce que ou ba nous en pile bagaille et il y a bagaille tout que nous pas bien saisi que ou éclairer l'antenne nous et ou rappeler avec internaute nous que droits humains hein, ce sont des droits que eux même yo fait avec et li pa gen le que li a expiré et personne pa ka enlever de droits. OK et tout automatiquement yo maintenant tête ou du moins c'est yo au courant que yo victime c'est catégoriquement porter plainte en façon pour nous couper avec manque que l'État lui-même lui doit faire avec question droits humains en Haïti. Mais si vous avez un dernier mot qui ça l'est tapier. OK d'abord m'a dit merci avec et droiture et son invité qui t'est invité nous. N'a saluer et monsieur Tax 509 yo qui a travaillé de concert avec Doiture et son invité et m'a dit merci tout avec tout le monde et qui était en le ou bien qui a observé qui a tendé qui a regardé et n'a fait connait que droit que ou gagné ou fait avec et le la fini lorsqu'on mourir et c'est pas en faveur l'état fait non pour que dans l'école, pour que dans l'hôpital, pour que des éléments à la disposition de nous, mais c'est parce que l'État lui-même lui a une obligation parce que nous payons taxes. Lorsque nous payons taxes, faut qu'il tourne sous forme de service vingt jeunes. Même si nous m'apprend courage nous nous-mêmes qui victimes et bien porter plainte parce que faut que doit ça yo même nous respecter. Encore une fois merci. Qu'on est que émission ça c'est Tax 509 et la maison du droit Doiture Jurisconsulte qui porte de la caillou. Une autre émission quoi c'est la semaine prochaine. Allez, au revoir, que Dieu bénisse Haïti.